Frères et sœurs, selon les vœux de l'archidiocèse de Port-au-Prince, lors de la célébration des fêtes patronales, une deuxième quête est réalisée dans le but d'assurer une certaine prise en charge de nos prêtres qui ne peuvent plus travailler. Ils sont là, ils étaient là pour nous, ils sont là avec nous, mais ne peuvent plus nous offrir leur service. Ils ont besoin de notre générosité parce que nous-mêmes dit l'Église c'est nous, nous c'est l'Église. Donc il va y avoir une deuxième quête seulement durant les fêtes patronales. Donc l'Église compte sur votre générosité et cette deuxième quête sera pour les soins aux prêtres âgés. Merci de votre compréhension. Merci de votre collaboration.
Prions le Seigneur. Dieu plein de bonté, tu as donné à Saint-Louis un amour exemplaire pour les pauvres. Permets que, rénovés à la table eucharistique, nous sachions comme lui, reconnaître et servir le Christ, venir plus des héritiers de nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Au revoir à Père Laurent, curé de la paroisse, au Père Brémaré et Charles, un merci encourageant pour votre témoignage d'équipe. Votre travail d'équipe sera toujours un témoignage éloquent pour la communauté paroissiale. Merci de toujours travailler dans le sens du bien, dans le sens du service. Je ne saurais oublier les membres du conseil paroissial, spécialement les membres du bureau Évelyne et Moïse. Merci et bravo. Un merci spécial à tous les confrères prêtres, religieux, religieuses, séminaristes, d'être présents et de vous faire disponible dans un esprit de communion, de prier avec les fidèles de cette paroisse qui porteront votre ministère dans leur prière quotidienne. Merci et applaudissements. Je voudrais rassembler dans un seul et même remerciement tous nos frères et sœurs présents et absents qui aident d'une façon ou d'une autre à faire de cette célébration une manifestation de la gloire de Dieu, la chorale paroissiale, les musiciens, l'équipe de la liturgie, les techniciens du système de sonorisation, les enfants du cœur, les membres de l'accueil, l'équipe de la décoration, la presse parlée et publiée télévisée. Merci de tout cœur, applaudissements et bravo. Les missionnaires montfortins de la province d'Haïti se préparent à célébrer leur jubilé de 150 ans de présence en Haïti. Ce sera le dimanche 29 août 2021 à l'église Saint-Louis de France et toujours aussi. En communion avec tous les missionnaires confortés, travaillant au pays et dans le monde, nous vous attendons pour célébrer ce moment d'action de grâce avec nous. Merci de votre présence et déjà, je vous souhaite bon jubilé. À vous tous et à vous toutes, un grand merci. Bonne fête de Saint-Louis-de-France. Excellence, Monseigneur Pénel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté, cher Père Whiskey Jean-Charles, assistant général, cher Père Jean-Charles Saint-Louis, provincial des missionnaires de la Compagnie de Marie en Haïti, cher Père Conseillant, religieux, religieuses, distingués invités des différentes institutions et des associations, fidèles paroissiens et pèlerins de différentes paroisses, fidèles paroissiens et pèlerins de Saint-Louis de France, frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits, pour toutes les grâces reçues dès le début de ce mois que nous avons dédié, le mois d'août, le mois de Saint-Louis. Pour toutes les grâces reçues durant ce temps fort de la nouvelle, nous avons choisi
ce thème général. Chrétien, dans tête ensemble, apprenant la foi, on bâtit communauté ensemble. Chrétien, dans tête ensemble, apprenant la foi, on bâtit communauté. Oui, nous l'avons choisi et à travers ce thème, nous avons dégagé les sous-thèmes à la lumière de l'Épître aux Galates, chapitre 2, vers 5, verset 22, qui développe les fruits de l'Esprit, tels que la bonté, la paix, la joie, la longanimité, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi, la charité, dans le but d'éveiller en nous la foi, de dynamiser en nous l'esprit de solidarité, l'esprit de tête ensemble, et de nous faire découvrir davantage que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Oui, fidèles paroissiens, paroissiennes, forts de notre foi et solidaires les uns les autres, nous devons bâtir ensemble notre communauté paroissiale qui est une portion de l'Église peuple de Dieu, cette Église en marche vers la Cité Sainte. Chers et frères bien-aimés, nous célébrons cette fête patronale au cours de laquelle la paroisse de Saint-Louis commémore ses 22 ans de fondation. D'ici en 2024, la communauté paroissiale fêtera son jubilé d'argent. À cet effet, nous lançons un vibrant appel à vous tous et à vous toutes, fidèles paroissiens et pèlerins de Saint-Louis de Dieu, vous tous qui habitiez autrefois et qui habitez encore la zone de Dieu. Nous mettons devant vous ce grand défi en présence de mes prédécesseurs, mes deux prédécesseurs qui sont là, Monseigneur Lionel Alphonse et le Père Wismic Jean-Charles. La finition de l'église de Saint-Éloi de Fou, l'entresol, la recherche d'un nouveau local pour la paroisse de Saint-Louis. Veuillez nous aider, dès maintenant, à lever ce défi dans la perspective du jubilé d'argent de la paroisse du Saint-Louis. Chrétiens, fidèles Saint-Louis, en bâtie communauté. Au terme de cette célébration et au nom de la communauté paroissiale de Saint-Louis, je voudrais remercier Monseigneur Pellel, un ancien de Saint-Louis, d'avoir accepté de présider cette Eucharistie de fête. Lorsque j'ai demandé à Monseigneur de présider cette Eucharistie, il a répondu volontiers à l'appel de cette invitation. Au cours de son homélie, il a souligné clairement la paroisse de Saint-Louis reste et restera gravée dans sa mémoire. Monseigneur, vous êtes chez vous, vous avez fait preuve de disponibilité envers la communauté de Saint-Louis. Vous avez fait preuve de générosité. Revenez-nous encore. Nous sommes toujours prêts à vous accueillir. Et soyez toujours disponibles à l'appel de notre invitation. Par l'intercession de Saint-Louis, puisse le Seigneur vous bénir et vous guider dans votre mission de pasteur de l'Église de Fort-Liard. Merci.
Nos remerciements s'adressent encore une fois à mon prédécesseur, le Père Ousmane Mamba, qui est venu participer à cette fête. Père Ousmane, votre présence témoigne de votre solidarité, de votre affection envers la communauté de Saint-Louis. Les fidèles de Saint-Louis ne cessent de parler des Trois-Pays. C'est le Père du curé aux Trois-Pays. Tant, trésor, talent. Qui s'en a pu faire? Nos remerciements s'adressent au Père Jean-Jacques Saint-Louis, le provincial, notre provincial. La dernière fois, nous avons remercié grandement les Montfortins qui nous ont aidés pendant 10 ans. 10 ans après le tremblement de terre du 12 janvier. Ils nous ont accueillis dans leurs locaux pendant 10 ans. Et aujourd'hui encore, ils ne cessent de nous soutenir de plusieurs façons, la paroisse aussi. Merci Père Tignan pour votre contribution à l'égard de la communauté de Saint-Louis. Les Saint-Louisiens, je sais de vous remercier. Vous qui étiez un ancien de Saint-Louis. Merci pour votre affection et merci pour votre solidarité. Un merci fraternel au Père Conseil. Ils sont tous là, ils sont en quelque sorte impliqués, ce sont des prédicateurs de Saint-Louis, le Père Astrid, ça c'est le PDG du TBRL. Vraiment, le Père Astrid a gratifié la communauté de Saint-Louis pendant toute la nouvelle. La télé a donné à 2 reprises la nouvelle pour la communauté de Saint-Louis. Vraiment une belle conversion qui a eu et il a accepté également de prêcher à nous des nouvelles. Merci au Père de Louis Gauthier, l'un des prédicateurs. Je voudrais saluer notre voisin qui est aussi notre cérémonière, le Père Jean-Pierre Ravisseur, le Père Professeur et le ministre. Qui a prêché le Père Blaise, qui a prêché le Père Blaise. Voilà, l'ancien vicaire, le Père Lambert Favor. Et le Père Buxman qui a ouvert la nouvelle du Père Lambertal. Et notre bon Père Robert Lindon Romanet. Je profite pour remercier ceux qui ont prêché pour nous les jours de la nouvelle. Ils sont ici. Le Père Mouchoir, le Père Dominique Noval, au Blas de Marie Immaculée, le Père Émile Saint Montfortin, le Père Évêque Antoine, Père de Saint-Viateur, le Père Paul, fils de l'homme, jésuite, le Père de Solomonus, le Père Astrid Merlet, le Père François Limite, vicaire à la paroisse du Sacré-Cœur, le Père Duquen Félix, Père Rédemptoris, le Père Patrick Etibé, curé de Plaisance-Sud, le Père Cornet Ville, curé du Sacré-Cœur, vicaire du Sacré-Cœur, le Père Éric Cotier, sédiateur, le Père Jonel Belsiné, vicaire à la paroisse du Cathédrale. Merci, cher Père, pour votre disponibilité. Et votre esprit fraternel. Puisse le Seigneur bénir votre mission pastorale. Un remerciement s'adresse au supérieur majeur de la paroisse de Saint-Louis, aux religieux et aux religieuses, les religieuses de Paris, les novices, les postulants, ceux et celles qui sont dans la paroisse.
ICM, Frères du Sacré-Cœur, Filles de la Sagesse, les missionnaires du Christ-Croix, les Sœurs de la Providence, Collège Saint-François d'Assise, Frères et Saint-Pétienne, Marie-Wayne Inacquille. Merci pour votre contribution et votre soutien à la communauté du Saint. Un merci au Père du foyer et aux membres de la communauté de Sainte-Marie. Merci également à la chapelle Notre-Dame de Lourdes du Canapé Vert. Un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont aidé financièrement et matériellement la communauté de Saint-Denis. Merci à la communauté paroissiale de Saint-Denis. Nous voulons citer le clergé paroissial, bien sûr, les pères Robert et Charles. Merci pour l'équipe liturgique et les groupes de lectorat qui ont su assurer les commentaires, la lecture et la prière universelle. Merci à tous les groupes, aux différents groupes de prière qui ont animé les différents jours de la nouvelle. Merci aux différents chorales qui ont chanté durant la nouvelle, notamment la chorale du jour, qui est la grande chorale, la chorale paroissiale. Merci à Madame Élie et son groupe de mimes qui ont animé pour nous durant le Gloria et l'Action de grâce. Merci au ministère Sainte-Marie qui nous ont accueillis. Merci à la Sainte Famille qui assure les dons. Merci au groupe néo-catéchuménal. Merci au Kiroscope. À la décoratrice du Saint-Louis. Vous voyez que Saint-Louis est dans un jardin de fleurs. Merci aux servants d'hôtel, aux membres du groupe paroissial, aux musiciens des différentes chorales, à l'ingénieur son Pascal, à l'équipe de Téléamel, à l'ingénieur Audi des temps spirituels, à Télé-Guinée, à ceux et à celles qui ont fait le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Et merci à tous les amis de Saint-Louis, à tous les sympathisants de Saint-Louis qui ont soutenu la paroisse dans ses œuvres en Haïti, tant qu'à l'étranger. Je vous prie de les applaudir. Enfin, à vous tous et à vous toutes qui avez aidé personnellement, chacun, d'une manière ou d'une autre. Je me permets de citer deux noms. Ce sont les incontournables, l'abbé Renaud et docteur Laroche. Je vous remercie sincèrement pour votre générosité et pour votre grand amour pour la communauté de Saint-Louis. Bonne fête de Saint-Louis. Avant que nous parlions de bénédiction finale, la messe en l'occasion d'être faite Saint-Louis, roi de France, Robert dit non, t'es content avec nous pour célébration ça. Et le sincère, le décidé, Saint-Louis, c'est un lieu de mémoire. Saint-Louis, marqué la vie moins comme prêtre,
un évêque. Et chaque fois qu'il y a occasion, on a toujours fini célébrer l'enseignement. Il y a 10 jours de cela, le 15 août, on était là pour la profession perpétuelle et temporaire des sœurs de Sainte-Anne. Et je tiens, moi là. D'être là avec nous pour les 150 ans de présence confortable en Haïti. Malheureusement, comme d'après avait changé, on était le dimanche 29, c'est pratiquement impossible puisque vous avez ordination diaconale le samedi 28 dans la matinée à la cathédrale Saint-Joseph de Fort-Liberté et dans l'après-midi, l'installation d'un nouveau curé à la paroisse de Ferrier. Donc vraiment, c'est pratiquement impossible pour d'être présent avec nous dimanche si Dieu veut. Mais pour cette occasion, je vous dis mon fort merci, puisque à Nessa, ça fait 70 ans depuis que je suis rentré à la caille mon fort. C'était le 25 septembre 1971. Et depuis lors, quand j'ai fait grâce, je fais un long parcours avec mon fort. Et je me dis bon Dieu merci et moi les grâce pour tout parcours que tu fais avec mon fauteuil. Et c'est qu'on y a ma ça, pendant que Laurent a parlé, en 2024, paroisse Saint-Louis de France semble gagner 25 ans. Et moi-même, si mon Dieu conseille la vie, moi, en 2024, je vais gagner 75 ans. Et c'est l'âge où on y fait, où on mène la démission, il va être plan, le 1er décembre, 2024, j'ai 75 ans. Ah bon? Alors, c'est pour y avoir fait applaudir, puisque tout le monde s'en a parlé. Puisque en 2024, j'ai 75 ans, j'ai tout en retraite moins, et déjà profité de pour une vicaire à Saint-Louis de France. Parce que il y a un monde qui n'a pas détaché de ces loups. Pour qu'à loin, il faut tourner quand même. Alors voilà. Merci Saint-Louis, merci Paroisse Saint-Louis. Merci pour tout ça que nous avons fait pour moi et avec moi. C'était que Dieu va nous grâce pour continuer. Et maintenant, maintenant, émerveillement matin, dans la célébration, même la quantité de jeunes qui t'a mimé, vraiment dit Paroisse, vivant. Un gros bravo par Saint-Louis, roi de France, de Tujou. Et pour y en avoir campé, Femme Seigneur, n'a pas ouvert les mains. Pour ma bénédiction solennelle, en ce grand jour, en ce jour de fête. Et nous avons aimé tant bénédiction ça à toute notre famille, à tout le monde qui a traversé de grandes épreuves et qui a besoin de la paix, de l'accueil. Nous voulons maintenant nous faire que nous recevons la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints. Le gloire et le bonheur, et c'est lui qui vous donne part à le fait qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. Celle-là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Bonne fête, bon courage, qu'un pays paradis. Dans l'esprit fête là, ma fête nous connaît que la couronne, sous la croix, l'hypothèse, rafraîchissement pour nous, et avec province Montfortin là, n'a pas gagné occasion pour nous faire 150 ans avec 150 ans. Donc, si nous ne pouvons pas presser, au lieu d'aller, nous pouvons passer dans la rue. Merci, bon appétit.